Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Normalement, on est bon. Voilà. Switch. Yes. La manette. J'espère qu'il va y avoir du monde. Bon, on va commencer, hein. Les gens, ça arrivera après. Ça en est bon, ça en est bon. Mais l'important, c'est que cette fois-ci, ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se fait un stream tranquille, si si posé sur Link's Awakening sur Switch. N'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui va pas sur le live, du genre du son qui marche pas ou voilà, n'importe quoi, que je puisse réagir rapidement. Là, ça a l'air de bien marcher comme il faut. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. Et ben, on va démarrer. Et surtout, surtout, si vous entendez le son en boucle et que ça devient vraiment chiant, vous me le dites. Voilà. Normalement, j'ai tout réglé pour que ça ne puisse pas arriver. Donc, je touche du bois que ça n'arrive plus. Ouais, cette scène d'intro, je l'adore. Bon, il y a tout qui m'impressionne aussi, mais... Faut bien qu'il y ait un truc. Bon, la qualité elle a l'air pas dégueu du stream là, je suis en train de Mais quand même, le côté un peu animé jab du truc, et là d'un coup, paf, les modèles 3D, ça dénote un peu, même si les deux styles sont, comment dire, sont excellents chacun, hein. Je trouve qu'il y a une trop grande dénotation pour que ce soit vraiment agréable. Alors, The Legend of Zelda Link's Awakening, appuyez sur L et R. Donc, là par exemple, je vais baisser mon son parce que vous devez entendre en double le jeu. Mais bon, je peux pas y faire trop grand chose. Alors, sauvegarde automatique, c'est mieux ou bien où, mais ouais, voilà. Donc j'ai fait les deux premiers donjons, j'ai fait le truc attendez, je vais vous montrer directement la carte. J'avais fait, donc on était descendu, il y avait un petit donjon ici, celui de la plage Toto, Coco. Il y a eu un petit donjon de rien du tout là. Ah non, c'était pas lui. Il me semble le marais des anémones. Ah voilà, c'est là. Il y avait la cabane d'Igor, donc il y avait... On a commencé par la caverne Flagello. Donc après avoir récupéré sa clé dans la forêt enchantée. Après ça, donc on allait sauver le Chomp, donc Toutou, à la cabane d'Igor. Puis après ça, on est allé à la cabane du génie. Là, je ne sais plus ce que je dois faire. Donc là, je suis dans le vent, bazar du centre. On va demander, parce qu'en fait, les cabines téléphoniques, il y a un papier à l'intérieur qui nous dit... Voilà, Pépé le Ramolo nous dit un peu ce qu'on va faire. Tu veux des bananes? Alors parle de nouveau aux gens du village. Salut. Clique. Hop là. Allez, on y va. Les gens du village, mon dieu. Oui, les temps de chargement sont un petit peu longs quand on arrive sur la grande carte de dehors. Bonjour. Youpi, c'est la pêche, et toi? Je ne sais pas avec qui tu allais parler. Quand on gagne quelque chose à la salle de jeu, on pourra partir avec tout de suite. Moi, j'essaie d'avoir plus de Yoshi pour ma maman. Donc c'est à sa salle de jeu. Hé, hey, j'ai fait quoi? Je crois pas que je me fais bolosse par un truc de merde. Ah bah attends, c'est vrai que maintenant j'ai un bracelet de force, je peux bouger tout. Gîte des rêves, oh ça m'intéresse ça. On teste un peu, on va essayer de trouver ce qu'il faut faire ensuite. Ah, merde.
Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais on ira voir ça plus tard. Est-ce que je peux? Ouais, non. Lynx a décidé qu'il ne voulait pas. Lynx, c'est un youtubeur. Est-ce qu'il me voulait quelque chose là? Je crois que c'est Papounet et Zoctuplé là-dedans. Ouais, c'est ça. Quadruplé. C'est triste quand même, son nom c'est Papounet. C'est. C'est comme si moi je m'appelais caissier quoi. Bonjour. Marine, ma chère Marine. Est-ce que tu aimes? Je dirais que ça cherche un peu mieux. Bon, il est où le hibou là? D'ailleurs, est-ce que je peux toujours le prendre si j'ai besoin? Je sais pas. Cabane Nigor, attends. On va aller à la cabane Nigor. C'est ça que je vais faire. Alors là, c'est bon, je repars à la touche pour le bouclier. Mercredi. M'en fous, je passe quand même, je suis en rebelle. C'était quoi ça déjà ici? Oh, Monique. Mon secret te remontera enfin. Mon secret, grain de rubis. Je suis intéressé. Non. On verra plus tard. C'était ça qu'avait mis dehors à la maison. Ouais. Tu te trompes pas sur la rue dont je t'avais parlé. Comme je t'ai expliqué mon truc à moi, c'est de faire des fouilles. Dis-moi, tu as déjà exprimé? C'est pour ça en fait, c'est pour créer des niveaux. Ouais. Bon, on verra ça plus tard. C'est un peu un Link's Awakening Maker. Non, pratique, c'est de force quand même. Alors, on va monter. Ah, le hibou. Le hibou, je sais pas si c'est ça que je fasse. Mais je sais plus où je dois aller, moi.
On dit, on va aller voir l'œuf. C'est quoi? Ok, d'accord. Bon. J'essaye de trouver ce qu'il faut faire parce que là, je t'avoue que je me suis perdu. Ah non, non, ta mère la pute! Je sais pas vraiment ce que j'étais censé faire en fait là. Donc ça il va me falloir pour ici. Bon c'était juste pour des rubis. C'est bien 50 rubis mais je m'en fous un peu en fait là alors qu'il est. Ça ce sera à montrer en vidéo de mariage. Regardez les règles qui sont faites là. Là. Yes! Me casse, me casse! Ok. Il y a le voyage rapide là-dessus. Non. Évidemment. J'ai l'impression de faire nul quand même, mais bon. Je t'avoue que c'est un peu mon quotidien dans ce style de jeu. Ah. Ah, ça fait plaisir. Donc ça, tout ça, c'est la prairie. Ok. Et ça, c'est un passage rapide pour aller jusqu'à chez moi.
Bah bien. Donc la prairie, ben voilà. On a trouvé un moyen pour relire. Relire ce que le hibou nous disait. Allez, plouf plouf. Moi j'irai plus tard, merci. On va aller trouver le prochain donjon maintenant. Normalement il devrait y avoir encore là par ici. Hop, merci. Bon, ça doit pas être le donjon, mais on va quand même regarder. Sortir parce que j'ai rien compris ce qui m'est arrivé, à ce qui me suis arrivé. Ah bah oui, c'est vrai que je peux soulever ça maintenant. Oh, le truc de ces énigmes, c'est que je peux pousser ces trucs là, là, ces connards de trucs qu'une seule fois. Ce que je ferai. Ah oui, mais non. Je viens de niquer le truc en fait là. Alors, il faut que j'arrive. Ah, il y a ce petit truc là qui me fait mal. Je vais le virer. Ça va mettre ça là. On va mettre par là. Ça. Et voilà. Bien joué. 4 fragments de cœur. Yes. Donc ça me servira pour le prochain donjon. Donc c'est cool. Ok, nothing more to say here. En plus, fragment de puissance. Boum, donc, il y a des ruches maintenant dans ce jeu. J'ai pas de bombe. Il n'y a pas encore de bombe à ce stade du jeu. Peut-être plus là qu'il faudrait que j'aille. Bon, je sais pas, moi je suis pas un expert, je vous rappelle. Oui, je mange un laser. Ça m'a l'air d'être ça. Mais à ce que je vois, faut que je trouve une clé. Et ça fait chier un peu. Alors, si on attend ici assez longtemps, est-ce qu'il y a la musique de Tota Keke? Hey.
Je teste le hors caméra parce que pour le live, à mon avis, c'est pas intéressant. Oui, je me casse. J'y crois pas. En de ma vue, il m'a sorti le mec. Ah, présenté. Ah ah, ça a évolué, on n'était pas là tout à l'heure. Ah d'accord. Mais ça va à quoi ce verrou en fait? Ma foi. Alors, là ça me paraît trop obligé. Et moi, le pire, c'est que je me fais avoir en fait. Ça, c'est ces merdes là, je sais pas comment on fait pour les enlever. Ah, là-bas, il y avait un. Comment dire? Un hibou. Ouais, j'ai eu comment dire le sentiment que ça fera à peu près comme Link's Awakening. Alors c'est des bombes, ça c'est sûr. Pas Link's Awakening, Link to the Past. Tu sais quand t'arrives dans le château au début. Pour la première quête, tu vas sauver la princesse souterrain. Alors là-haut je ne suis pas encore monté. Alors en fait je crois que c'est juste un retour de où j'étais. En vrai, là, je sais pas trop où je suis, où est-ce que je dois trouver des trucs. Mais d'accord, c'est après lui qu'il nous laisse pour le tribou. Je suis pas allé ici. Putain, c'est dommage quand même. J'essaie de faire une vidéo, enfin une vidéo, un live sur ce jeu, et je trouve rien de ce qu'il faut faire. C'est fou ça. Bon, seulement il y en avait un parmi vous qui connaissait bien le jeu pour être tout à l'indiquer. Ok. Mais là, oui, il y a bien quelqu'un. Mais il commente pas. Moi, je suis censé savoir. Ah, si, il y a un commentaire. Bah, bonjour, du coup. Bon, en vrai, pour prendre les lives, ce live, c'était pas trop mal. On va arrêter maintenant, on va arrêter la catastrophe. Ce que je vais faire, c'est que pour
le prochain live, on va essayer de le faire demain soir, on va le mettre un peu plus tôt. On va dire que j'aurai trouvé le donjon. Donc j'aurai avancé jusqu'au donjon et on fera tout le donjon pendant le live. Voilà. Comme ça, ça évitera de vous faire patienter trop longtemps devant la caméra comme ça. Voilà, donc là je suis dans la plaine de coucou. Champ des pièges, ouais, mais c'est pas pour maintenant, cimetière non plus. À mon avis, ouais, ça doit être. Non, le donjon on avait dit qu'il. Attends. Non, on avait dit que ça devait être ça le donjon, mais y a rien qui me l'indique. Je dirais pas que c'est mal fait. Je dirais qu'il y a un truc que je comprends pas. Que je piche pas. Là, ce chemin, je crois que je peux pas passer. Je verrai, je vais. Comment dire? Je regarderai ça plus tard et on fera un autre live qui sera mieux fait. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, tout le monde. À la prochaine. Ciao.